super. WTNT, je dois sortir une nouvelle vidéo sur comment vous présenter le mode mash-up de Mario sur la Minecraft Wii U. Donc, les autres vidéos que j'avais fait là, comme Serveur de l'Apocalypse, c'était pas du tout sur ma Wii U. C'était un autre Minecraft sur une autre plateforme, je n'ai pas obligé de le dire. Alors, on va jouer. Du coup, on va aller dans le monde. Donc, ça, c'est tous mes mondes. Alors, je vais vous montrer Sauvegarde Mario. C'est parti, on va la charger. Donc, on est en créatif, en pacifique. Donc, vous voyez pas, mais il y a une image, mais en fait, on était dans la grotte. Je suis pas sûr que c'est celui-là, mais il me semble que c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, là, Minecraft Super Mario Edition. Ça fait plaisir. Avec la petite musique. Donc, on n'a pas. Alors, là, on était quoi là? Alors, désolé si la qualité n'est pas énorme. Donc, là, on va pour l'instant, on va dormir parce qu'il fait nuit. Si vous voyez pas, c'est peut-être parce que la qualité, elle est bien floue. Voilà. Mince. Donc, je vais vous montrer les transportodes. Les transporteurs, c'est des genres de gares. Donc, regardez, là-bas, il y a un truc vert là-bas. Donc, on va se téléporter. Après, on ira dans le château de Peach. Ou alors, on y va maintenant. Après, il y a des armures. Donc, au sujet de l'inventaire, j'ai l'armure abeille de je sais pas quel skin. J'ai dû prendre le ghast, je crois. Ah mince, j'ai pris une tête. Bref, il y a pas mal de trucs. Donc, c'est un pack de textures. Si vous avez Minecraft Wii U, vous pouvez l'acheter. Après, si vous êtes sur autre plateforme. Là, qu'est-ce que j'arrive? J'arrive pas à tomber. Ah voilà. Et bah je sais pas si ça peut marcher, mais il y a très peu de chances que ça marche. Pour moi, ça marche que sur. J'ai failli dire PC. Non, ça marche que sur Wii U. Parce que c'est vraiment Mario, c'est vraiment que la Wii U. Hein. Donc c'est parti, on y va. On va à la gare Toad. On est sous l'eau là, si vous voyez. Alors la carte est tout explorée. Donc il n'y a plus de secret pour moi. Donc. Après, on va faire une petite présentation du château de Peach, il me semble. Donc, du coup, là, on est dans une autre gare, mais on va repartir pour aller voir le château de Peach. J'ai pas cette vitesse. Voilà. C'est pas mal, hein. Avec la petite musique d'accompagnement, mais elle change souvent. Ça peut être les musiques, là, comme dans Mario, dans tous les jeux Mario. Donc, j'ai remarqué. Voilà. C'est bon. J'ai remarqué que, voilà, c'est bien comme jeu. Alors, comme version, alors là, c'est vraiment une des meilleures versions de... Enfin, c'est un des meilleurs packs, on dirait plutôt un genre de mode... on va pas dire que c'est un mode, parce qu'il n'y a pas de nouveaux objets. Mais un pack, voilà, il y a une nouvelle musique. Mais un pack déjà installé, quoi. On a l'impression que c'est un pack, mais il est déjà... avec des maps, déjà. Donc là, on est retourné, là. On est au château de la princesse Peach. Donc là, il y a plein de tuyaux, je vous expliquerai. Et là, il y a Peach, là-bas. Alors c'est très joli, il y a des gros pixel art, mais en 3D, des réels pixels quoi. Alors si vous entendez bien la musique, j'espère. Voilà, donc là je suis en train de voler parce que... Voilà, moi j'arrête de voler. Alors je sais pas quelle main j'ai, mais je crois que j'ai le skin de Steve. Il y a des options, changer de skin. Alors, ouais, ah là j'ai le skin de Mario, donc vous voyez, il y a tout ça, mais ça c'est que pour... Donc moi je prends Luigi, je préfère Luigi que Mario, j'avoue. Voilà, donc là on peut rien faire là-dedans. Alors vous demandez ce qu'on peut faire là. Et il y a un secret, voilà, il y a un coffre. Il y avait une musique, ah tiens je l'ai pas récupéré, mince. Ok, j'en ai 2, j'en ai 7 sur 12. J'ai pas dû sur Canada depuis la dernière fois que j'ai été allé, je crois. Oh, là il y a une porte, ah oui, là il y a le tableau. Comme vous savez dans Mario 64, si vous vous rappelez, hop, et ben non. Donc c'est un truc qui vous emmène là. Donc ça sert là, ça vous fait sortir du château, quoi. Bon, je vais refermer la porte, parce que... Hop. On va quand même sortir, je pense. Après, sinon, il n'y a plus rien trop à visiter. Là, je vous ai un petit peu tout monté. Les endroits cachés du château de Peach. Oula. Tiens, en volant, ça marche pas. Tiens, je le savais pas. Vous voyez, en volant, ça marche pas. Donc là, il y a les tuyaux et le système... Peach, là... Bah là on est retourné au château. Là il y a bombe. On va essayer d'aller chez Mario avant de terminer la vidéo. Elle est assez courte j'avoue. Mais bon. Il avait la fleur de feu là. Le voilà Mario. Donc dès que vous démarrez le jeu, vous êtes là-dedans dans cette punaise de maison. Alors là, enfin démarre le jeu. Dès que vous créez une nouvelle map de Mario. Hop, vous aurez... mince, on avait mon doigt. Salut.
Non, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc voilà. Donc on a. Là, bah, il faut que je recale ça. Parce que c'était mal mis. Parce que j'étais comme ça. Non, bah, on arrête là. Donc là, la petite musique. Donc vous apparaissez là dans la maison de Todd. Sinon, après le premier tuyau que vous faites là, vous pouvez jouer en survie, hein. Ça, y a rien comme différence en survie. C'est juste que. Voilà. En créa, je pense que c'est plus mieux. Alors regardez, là t'as juste à courir. Là il a la technique boum. Donc on retourne là-dedans. Enfin à la base on doit retourner. Voilà. Et là il y a le grand Mario. On fait la photo finish. Dans. Pas dans son ventre. Mais le soleil il ressemble à ça. Photo finish juste devant Super Mario. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo. C'est super doux. C'était super doux TNT sur Minecraft Wii U. Avec le mode Mario. Et peut-être qu'on en fera une autre pour vous présenter la suite. Ciao tout le monde. Peace. Et pensez à t'abonner, lâcher un like.